Eh hey Manon, j'ai un truc marrant à te proposer. Ça te dit qu'on aille voir ce qui se passe dans un endroit où la main de l'homme n'est plus les pieds? C'est très fort ça, Lilia. Très très fort. Mais en vrai, tu veux aller où? L'hangar ferroviaire, ça te dit? Ah carrément, vas-y, je suis partante. Ça perd l'hypopète. Un grillage, mais comment on va faire? Non mais écoute Lilia, t'es pas très débrouillarde. Regarde, il y a une grille, elle est tombée par terre. On a juste à l'escalader. Laisse-moi 2 secondes pour dire ciao à la vie, à la ville et aux bondieuseries de l'église Sainte-Marie et j'arrive. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'espace ici. Regarde, c'est quoi ces tiges? On dirait un bouquet de métal. Manon, arrête de te prendre pour une artiste contemporaine, genre j'utilise l'espace urbain. Ramène ta fraise dans le hangar plutôt. C'est fou, on dirait que la charpente tire toute seule. Bon, Lia, excuse-moi, je vais encore te sortir mes références bidons, mais là, pour moi, on est dans un décor de film, genre le bon, la brute et le truand. Toi, c'est peut-être Ennio Morricone, mais moi, je tourne la tête et j'ai plutôt l'impression d'être dans Chucky. Ah, crotte de bidou, je me suis encore pris les pieds dans la broussaille, foutues mauvaises herbes, elles envahissent tout. Ah, en tout cas, on n'a pas l'air d'être les premières filles spirituelles et drôles à s'être arrêtées ici. Mate un peu les murs. Bon tiens, on devrait suivre leurs conseils. Nous aussi, on peut être sauvages. On n'a qu'à se faire un petit plongeon, il y a un jacuzzi trop classe juste là. Pas moyen que je foute les pieds là-dedans. T'es vraiment une petite joueuse. Regarde, on a tout pour faire mumuse, même un bateau pirate. Encore, tu m'aurais dit, il y a Johnny Depp, je t'aurais dit, ouais, pourquoi pas, même direct. Mais là, on va rester à terre. Et ok. D'ailleurs, j'ai une de ces dalles, je rêve d'une salade tomate mozza. Regarde, il y a qu'à se baisser. Oula. Ouh là 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 là. Non, 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 mauvaise idée. T'as senti l'odeur? Ah ouais, t'as raison. Ouh, c'est costaud. Putain, c'est vraiment des chiottes à ciel ouvert ici. Ah non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des tomates. C'est parce qu'il y a de l'engrais naturel. Hé hey Manon, t'entends? Il y a de la musique ou je rêve? Ouais, il y a de la musique. Limite, on dirait les Gypsy Kings. Meuf, les Gypsy Kings dans un camp de Rome, franchement, tu pousses. Ouais, je pousse peut-être, mais n'empêche que moi, ça me donne envie de me trémousser. Viens, on va voir. Ok, ça marche. La suite de l'aventure, c'est dans l'article d'Aurélie Simon et d'Aurore Jarmet.